Bonjour, bonsoir tout le monde qui a suivi l'émission ça ou branché live sur Ticket Magazine. C'est un plaisir pour moi là avec vous aujourd'hui pour me présenter l'émission ça. Non pas c'est Belle qui se Gaspard et aujourd'hui là nous allons parler musique racine avec un gros voix de musique haïtienne. On voit opéra, on voit que qui pas qu'à passer inaperçu, si on voit qui allait loin, qui pote musique haïtienne aller loin. Bien entendu, je voulais parler de James Germain qui est là avec nous aujourd'hui. Bonsoir James, c'est un plaisir pour nous recevoir dans Ticket Magazine aujourd'hui. Eh bien, c'est un plaisir pour moi pour dans Ticket Magazine et merci pour l'invitation. Alors, James Germain, plus de 20 ans de carrière. Là maintenant, au passage de présentation, un pile travail, un pile chemin. Et 10 août dernier, vous célébrez 51e anniversaire au Café 36. Oui. Qui ça, 51 ans, ça voulait dire pour qui ça, vous voulez célébrer, vous voulez quitter la date, ça a passé comme ça. Vous voulez célébrer 51 ans, ça voulait dire pour qui ça, ça représentait pour. Bon, ça représentait un pile bagaille pour moi, parce que 51 ans, j'ai l'impression, c'est comme moi, on était. Et j'ai grandi de Tiboune et puis tout de suite, moi aussi, moi venu dans la salle, c'est son bénédiction et puis en même temps, c'est extraordinaire. Et c'est un âge où j'ai nos maturités et dans tout niveau et dans le travail. Et je crois que c'est important et pour célébrer la salle. Souvent, j'ai décidé de fêter tant de carrière. Mais je crois que fêter 51 ans pour moi, et avec le public, c'est important, c'est partager les morceaux dans la vie, qui, au moins, parce que, au fait, généralement, l'artiste a fêté tant de carrières et tout ça. Anniversaire. Oui, voilà. Mais moi, je pas de faire comme ça. Moi, je voulais faire vraiment, côté que. Et pour 50 ans, d'habitude, on dit son âge. C'est demi-siècle. Oui, ils sont demi-siècle. Et tout le monde va fêter. Oui, nous avons attendu que c'était 50 ans, on a célébré un grand pompe, invité l'autre artiste, mais nous avons pris 50 plus 1. 50 plus 1, voilà. Pour moi, et 50 ans, j'ai besoin de retrouver pour compte moi. Okay. Et pour méditer sur 50 ans, ça, et ouais, qui vont me river et qui vont me parler. Et souvent, nous juger de en fonction de l'âge, nous, et ça n'a fait, et nous avons des plans bien établis. Moi, je n'ai pas fait bilan, je me dis que je fais un pile de choses, et je ne vis pas dans la carrière, pas moi. Et souvent, et dans le bilan, ça y est, on vient voir qui ça qui peut améliorer, et qui ça qui peut être fait. Parce qu'évidemment, c'est un bilan qui est important, nous revenons à un certain âge. C'est pas évidemment et fini à 51 ans. Moi encore. Ça veut dire que vous voulez dire nous là que oui, ou conscient que vous travaillez en pile. Et on va parler de bilan. On a quitté bilan à côté, toujours on a retourné sur lui après. Vous dites que 51 ans, ça veut dire que vous avez pile projet qui a venu toujours et que le travail a fait commencer ou vous avez pile bagaille pour faire. Oui, quand pile projet qui a venu, parce que évidemment, moi-même, avantage, c'est que. Je ne peux pas prêter sans rien. Et j'ai toujours une opportunité, justement, côté que pour travailler dans des projets, ou bien en collaboration avec des artistes, ou des chorégraphes et tout ça. Et chance ça, on a dit son chancelier, parce que, en fait, dans la curité de la musique, et puis élargit les champs d'action. Et par contre, ça, c'est intéressant, côté que j'ai une opportunité de travailler en tant que chanteur. Et aussi en tant que directeur artistique sur des projets, côté fait direction projet ça, yo qui est toujours dans le domaine artistique là, ça c'est un point qui est important pour moi. Okay. Avant de parler de tes projets, avant de parler de projets organisés, de sous sort de travail, un petit retour sur commencement carrière. Comment tu as commencé? Parlez-nous de Jean ça t'es commencé. Est-ce que tu as des monde? Est-ce que tu as des mentors? Qui était là, qui t'a travaillé avant, qui t'a guidé,
nous avons dit qu'il t'a encadré et qu'il t'a tracé route pour vous, qui t'a permis de commencer dans sa carrière de musique. Oui. Nous avons dit que l'homme était très jeune déjà. Et moi, ce qui était très important, c'est que parents, mon papa, était vraiment le soir, avant mal dormir, raconter une histoire. À partir de ça, ça a toujours chanté. Déjà, c'était ça qui était vraiment attiré l'attention dans la partie chanter. Hein. Et puis tout de suite après. On parlait de contes. Oui, chanter contes, oui, voilà. Et on racontait un conte, et puis toujours de chanter. Moi-même, toujours plein de parties chanter parce que c'est ça qui intéressait. C'est ça qui intéressait. Ça veut dire que depuis tout petit, musique te séduit. Oh. Te séduit, oui. Depuis tout petit, musique c'est séduit. Et puis, au fait, un peu plus tard, moi, vraiment commencé à chanter. Une petite classe dans l'école, on commençait vraiment à l'école. Non, c'était une fête de fin d'année dans l'école là, c'était toujours un petit scénette qu'on fait. Et puis, quand il y a, moi, entre ça, dès qu'on chantait. Et puis, quand l'homme chantait, et puis, il me dit, oh, il est pas mal. Et puis... mais, où dit, oh, il est pas mal? Est-ce que tu as des amis, professeurs? Ah, mais oui, vous faites. Oui, ils ont applaudi. C'est la première fois que tu as fait une prestation, évidemment. Mais bon, là, tu as quel âge? Et, tu es vraiment très jeune. Tu es joué dans 7-8 ans. Ah, ok. Bon, 7-8 ans, tu es vraiment. Histoire de préparatoire 1, préparatoire 2. Oui, voilà. Mm-hmm. Et tu es vraiment au niveau côté que. Non, il était qu'on fait des scénettes avec des classes qui avançaient. Okay. Et puis, moi-même, la partie ça, il était fourré. Non, c'était vraiment en chance. Moi, je pensais qu'il était en dîme, en foi. Et puis, il y a une bonne opportunité. Hein. Et puis, il a pu chanter, il a été applaudi. Et puis, il m'a dit, oh, comme si, une opportunité. Mais tout ça, dans cette pomme, c'est pour le plan carrière. Là. Mm-hmm. Mais, et après tout ça, au fait, j'étais un monde qui était toujours au fait dans mon sens de créativité. J'étais jeune parce que ça me déconne fait. C'est comme si j'ai des propres des comédies, mais avec tête pam, comme s'il prend des bouts de carton, la caille, moins, et puis on fait des dessins, et on fait des petits tontons, des bricolages, bricolage, et puis au fait, j'étais toujours dans la créativité. Et puis un peu plus tard. Pendant que j'ai évolué, j'ai eu un rapport avec Miroir. Miroir, c'était la KM1, qui l'a toujours d'ailleurs, et qui est plus grand passé. Et Miroir, ça, c'est là que j'ai connu, et dans l'imaginaire, évidemment, et des images publiques, côté que j'ai chanté, et puis le public là, t'es là, t'as dit, m'a applaudi à travers Miroir. Là. Donc, tu as vu vivre tout le bagage ça pour compte. Oui, tu as vu ça pour devant miroir. Devant miroir, moi. Ou à chanter, m'a oui, tu as chanté. Imaginez que bon public qui là, oui, bon public qui là. Oui. Et capable apprécier ça faire. Capable apprécier ça me faire. Et puis bon l'autre aspect dans ça tout. Alors, ça on m'a trouvé étrange. Au fait, à l'époque, m'a été arrêté dans caille qui était un tôle. Et là la puis a tombé, il est tombé avec une force. Et puis moi, tu entendu à travers la plainte, c'est comme si j'avais l'impression que j'entendais des voix. Pendant que j'entendais des voix, pendant la peur tombée, voilà, si mon des fois, au lieu des autres, ou quand sorti, il y a le bain dans la peur. Moi-même, dès qu'on baignait dans la peur, mais il y a des moments qu'on retient dans le cas où j'entendais. Pourquoi j'entendais des voix, ça? Au fait, c'est comme si j'étais une série de voix qui est en harmonie là-dedans. Et j'étais qu'on chantait avec elle. Et ça, c'était vraiment étrange. Et au fait, toute période ça y est, pour moi, ce n'est pas James que James a venu un chanteur. Mais on pas James ça dans la tête. Non, pas James ça dans la tête. Même peut-être juste à vivre. C'est ton rêve, c'est comme tu vivre ça. Mm-hmm. Et puis, ça vient, comme tu as dit, pour moi, vient tourner une sorte de. Mais à partir de quel moment le déclic l'a fait? Et là, on dit que bon, oui, bon, je voulais faire ça. J'ai commencé à travailler pour me faire ça. Le déclic l'a fait, c'est. Non, mais année. Dès qu'à dit dans les années 80, début années 80, au côté que j'ai eu l'opportunité d'aller rentrer dans le chorale Sainte-Trinité. Et dans le chorale Sainte-Trinité, des opportunités justement de chanter dans le chorale, c'était pas mon carrière. Peut-être pas, parce qu'évidemment, on sortit, on dit, wop, font carrière. Moi, elle a commencé très jeune. Là, on commençait par chorale. Oui, on commençait. Oui, on voit dans le chorale là. Toujours ténor d'habitude, mettez-moi chanter ténor. Et puis de là,
on commence à faire connexion. De Coralin, m'allait dans l'autre formation qui était dans le Collège Bird, et qui est les 12 apôtres. Les 12 apôtres, c'était, c'est toujours, ça existe toujours. D'ailleurs, il y a Lionel de Mont qui fait quitter nous, qui fait qui est décédé. Et Lionel, tu as un don côté culte, tu as déniché des talents et pour justement avoir l'opportunité, pas seulement chanter nos apôtres, mais offrir nous des cours de musique. Et moi-même, comme c'était voix, c'était mon opportunité à l'époque pour m'aller dans l'Académie pour Musica. Et c'est en l'école, au conservatoire que Michel Lodin-Denis a gagné. Et à partir du conservatoire, ça, moi, j'ai vraiment commencé à connaître qui ça créé le travail. On voit, on te situe, qui ça représentait pour un chanteur et qui est importance. Que ça n'a rien d'important que pour vraiment entretenir voir ça, instrument ça. Et à partir de là, et je me changeais chaque le je me sorti dans le courant. Ça m'a amusé pour moi parce que je me suis dans le courant le samedi, je vais à l'école, et puis je vais à l'école dans le week-end, puis c'était cool là. Mais puis, la partie qui était vraiment intéressante pour moi, je me suis dans le courant. On a chanté dans la rue hein, avec notre camarade Mayo. Nous avons fait Bois-Verna jusqu'à où de l'enterrement à chanter. Donc on a chanté avec eux. On a chanté ensemble et tout ça. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la répétition. Et puis après, plus tard, moi j'ai joué un accès. L'homme qui était à Angel Mendes, on a travaillé avec Aziro Kou, qui était un professeur de chant. Qui... Donc, tout là, on ne va pas prendre. Malgré que vous étiez ouais talent là, quand même. Oui. Oui. Ça... Mais même pas en avant dans le moment ça. Yo. Comme si, dès qu'on a pris un cours, dès qu'on a travaillé, chanté dans le choral, je n'ai pas de chambre vraiment en place, côté que j'étais vraiment occupé. À performer sur scène. À performer pour contre moi. Spectacle. Voilà. Oui. Et ça vient commencer, au fait, dans un moment, côté que, en dehors de tout ça, moi, je viens à chanter, on le, je me fais un solo, et on dimanche matin, dans le Collège Bird, dans l'église méthodiste. Et puis c'est là, mon Dieu, t'es. Applaudissement, mon Dieu, applaudi, tout ça. C'est un innovation. Et ça, je me dis, bon, ben, James, ben, il va pas avancer, il va pas évoluer. Et mais tout le temps, ça va travailler. Non, travail, justement. Je sais que le bagage va évoluer. Non, au fait, bon. Pour moi, comme moi, dans l'époque ça, moi pas non forme de comme si me dit mon profession, l'époque quoi vraiment pour moi profession, parce que c'était évidemment un passe-temps, bagaille, c'est ton passe-temps, c'était ou justement, bon, oui c'est ça parce ou ça que ça bon, bien la donne, c'était oui, seulement ça. Oui, pas oublier que vous faites le que ou compassion. Évidemment, c'est ça qui est important. On t'a vivre passion ça. On t'a vivre, mais sans pas bien dans la caille moins. Oh, il y a pensé. A rien pensé. Mais même si il y a rien pensé, c'est comme ça. Oui, on pas de jambes. On pas de jambes. Mais comme au sérieux, par exemple. Carrière professionnelle, justement. On pas de penser, mais rêve là. Alors c'est le ça m'a connu que effectivement, il y a un rêve qui a une réalité. Parce que d'après rêvé. Peut-être pas de gars qui ont moyen, pas de gars qui ont chemin, pas de gars qui ont moyen comme ça. Mais moi, c'est un monde qui est toujours très tenace, au fait. Moi, pas qu'on parle, comme si il y a fait Shelby et tout ça. Pendant toute période, ça y est, je travaille, moins. Et puis, au moment, même changer professeur, c'est avant départ et Duvalier. Et c'est à ce moment-là que moi changer professeur et ça une période ça me t'a écrasé beaucoup et il y a un moment j'ai une grande difficulté et politique je pas capable d'aller dans le cours yo. OK mm-hmm. Et j'étais obligé sur son courant et après le départ de Duvalier Kounia moi j'ai rencontré font une belle rencontre de Lina Maton Blanchet qui justement une très grande musicienne c'est Lina Maton Blanchet, c'est lui-même qui fait découvrir Luman Casimir et qui fait un pile travail musical au niveau des arrangements. Qui est professeur en pile. Oui, en pile, bon, professeur. Au départ, Lina était accompagnée en professeur de chant parce que Lina, métier pâle, c'est pianiste. Mm-hmm. Et était accompagnée en professeur étranger qui était Madame May, qui était professeur en sidérose et tout.
C'est-à-dire qu'il y a tout artiste qui a évolué, comme Mme May, et en fonction de travail ça, il y a justement venu à enseigner et chant, et puis surtout, spécialité Lina, c'était joindre la musique traditionnelle, ou aller dans des côtés, dans des ronds-forts, ou bien dans des côtés de musique populaire, et puis ils se font travail d'écriture, et qui quittaient les œuvres, malheureusement, que Baron ça est toujours là. Mais et Lina était vraiment encadrée, jeune talent. Je me songeais. Oui, et je me songeais. Nina, t'étais dans mon chien, on joue tout le temps. Elle me dit, petite, viens chanter, non? Et puis, on est jeune, on fait rock long, là, comme si pour elle, c'était une passion, comme si c'était pour moi, mais sauf que, dans mon moment, ça a été plus long. Donc, Lina, elle était jeune artiste. Oui, cap évoluer, cap chanter, et puis, justement. Perfectionner. Justement. Et il y a apprenement pile bagaille. Et ah, donc là, ça, c'est une mentor. Non, c'est une mentor. Moi. Et c'est une mentor. Moi, et vraiment, qui apprenement pile bagaille, qui fait me connaître que tradition, pays, c'est très important. Parce qu'on est capable d'aller n'importe qui. Ah, donc c'est avec lui qu'on commence à faire musique racine. Oui, oui. Je t'ai dit, oui, c'est ça. Avec lui, j'ai vraiment commencé à. On est qui ça qui pas oublier que me sorti dans l'église chanter dans l'église chanté dans le choral l'église et là on fait transition de choral l'église à musique racine musique traditionnelle. C'est avec Lina Matoblanche avec Lina Matoblanche oui au fait parenthèse de ouvrir ça c'est que pour moi le que j'ai commencé justement à chanter et à prendre de la musique avec Lina et puis on s'est continué à l'église et puis mon Dieu, j'ai trouvé ça très étrange que vous voulez dire que chanter... mon église ou... oui mon église j'étais toujours pensé ça étrange que m'a chanté de musique folklorique et que m'a chanté de musique vaudouesque et tout ça surtout dans l'époque ça au fait ça qui était important pour moi c'est que m'a affirmé je dis à 51 ans c'est le fait que mon culture et mon campé des cultures ça parce que c'est seul lui-même moi gagne heureusement parce qu'au fait moi capable de faire n'importe qui bagaille avec voix moi capable de chanter classique moi chanter R&B hip hop jazz mais on choisit moi choisi chanter culture pays mais en même temps bon on travaille tout qui est important ce qui se travaille lié on artiste c'est ça. Ça va dans la création. Ça veut dire que si je prends musique, là, je suis toujours Kimbé, en son seule forme, et tout ça, je vais avancer avec lui. Je veux dire, autant de James, toujours même James là, par des évolutions. Je vais placer de tout ça. Justement. Il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de créativité. Le travail artistique n'est pas fait. Voilà. Et pour moi, ça qui est important, c'est justement comment on artiste a évolué avec temps. Hein. Et puis, avec ça qui passe autour. À chaque époque, il y a un petit quelque chose qui est ajouté. Qui est ajouté, même. Un petit sel. Des fois, il y a un grand que petit sel. Hein. Il y a un changement radical de. On passe de registre. De registre à l'autre registre, évidemment. Mais c'est toujours bah, tout moyen. Que toujours faire content découvrir un autre. Justement. L'autre facette, non, que vous pas de connaître. Justement. Toujours avec même personnalité, mais découvrir l'autre facette, parce que c'est ça, on a dit. Donc, pour artiste, c'est ça, ça veut dire que ça va dans la créativité. C'est artiste. Un artiste. Justement, c'est bon, ça, lui, artiste. Hein. Que parce que, au fait, artiste, ça ne se résume pas à être chanteur. Juste chanter ou bien juste danseur, non. C'est un artiste, il c'est son innover, qui est, créer, innover, changer, créer, changer. Apporter du nouveau. Justement, et puis il ne faut pas se limiter aussi. Mm-hmm. Parce que je me songeais, il y a un très bon ami qui était qu'on a dit, James, il faut composer musique, il faut faire composition. Mon Dieu, vient qu'on aime à travers de musique traditionnelle, qui vous pensez que c'est musique moi, qui n'a pas gagné rien avec James Germain. On va interpréter des musiques traditionnelles. Justement, patrimoine. Et des fois, des musiques, même des compositeurs, que mon Dieu n'est pas forcément by crédien, et puis même on grandit, ou pas qu'on est, et puis ou aller sur chemin sans tout. Par exemple, un bon exemple, musique Merci Bon Dieu, c'est une composition, Franz Casséus, qui était un grand compositeur, qui était un musicien, qui était qu'on accompagnait Ari Belafonte.
Et merci bon Dieu, son musique, mon Dieu pensait que c'est traditionnel, pas du tout traditionnel, son musique qui est un compositeur. Alors, souvent, manque d'information fait que, bon, évidemment, et c'est travail ça, je pense que en tant que moi-même qui, dans le monde qui a fait ce travail au niveau de la tradition haïtienne, c'est travail ça qui est important pour nous réparer, transmettre la transmission, hein, côté que bagaille, tout bagaille clair. Et propos nous clair parce qu'au fait pour moi et moi pas jamais rentré dans polémique tant qu'on m'a dit ok bon finalement on fait style musique ça l'autre style l'autre musique pas important pour moi en général moi choisis et musique traditionnelle haïtienne choisis musique racine musique du terroir mais en ça même temps choix. Justement ça son choix mais je fais n'importe qui barre avec lui. Il y a un soul, il y a un jazz. Si je fais un rap même avec musique traditionnelle, c'est possible. Oui, parce que. Tu es content ou ça? Oui, je fais un peu de ça, mais il faut me sentir. Tu comprends? Il faut que je me sente dans le cœur. Et puis, je vais décider de faire une collaboration. Quand ça m'est arrivé en France, faire une collaboration avec un rappeur français qui est les Kamel, de l'Alliance Technique et tout ça. Et quand je collaboré avec d'autres artistes dans l'autre, par exemple, dans House Music, avec Didier Gardi et tout ça. Mais c'est un moment que j'aimerais sentir qu'à un moment, je me dis oui, pourquoi pas? Parce que c'est ça, un challenge aux artistes à l'écouter au partant. Donc, il faut que le feeling soit là d'abord. Il faut que le feeling soit là. Oui, parce que ça, quand vous faites un moment, job comme ça, vous devez mettre un voilà, on va vous faire parce que vous touchez comme là. Mais il y a une passion qui pour la donne. Le ou vraiment voulait faire, ou qu'on est que vraiment faire avec tout cœur. Tant comme tu as dit, quand moi-même, moi, sorti, je chantais dans l'église, et qui puis me passer dans la tradition, là, ça me fait clarifier dans le sens que, côté que tradition, hein, c'est un mariage qui fait partie de nous. Ça veut dire que l'on parle de tradition, il n'est pas seulement au niveau de musique, hein, il est dans le culinaire, il est dans tout le mariage qui fait partie de coutumes, pays. Hein. Et par contre, qui gens que nous assimilons, qui gens nous transmettons, c'est ça qui est important. Et moi-même, et même t'es petit, nous avons une chance ça joindre avant ça, par un petit moment éduqué par éducation, par et ça y était apprendre qui était des acquis. Je dis un, ta radio, il y a des chanteurs que maman t'a appris moi, le maman de se changer chanter, il pas changé. Hein? Donc, c'est-à-dire... mais ou même, ou, comme si les transmettre tout ça. Les transmettre, moi, ils ont toujours kembe. Ils ont toujours kembe dans la tête, moi, ils ont changé. Ils ont fait travail là. Ils ont fait travail là. Et avec, bon, quand même, dans le 21e siècle, quand c'est que nos barailles ont changé, les barailles ont évolué, et aller dans l'heure du temps. Bon, souvent, ça arrive, c'est que, il y a plein de monde qui se connaît James. Ah oui, James Germain chantait Wongol. Mais, et premièrement, j'ai précisé que ce n'est pas seulement en Angol que je chante, parce que, évidemment, nous sommes artistes déjà. Et puis, moi, je fais de l'autre musique. Par exemple, j'aime parler de house music. C'est une chose que je fais avec un DJ international, par exemple, qui est Bodhisattva. Et je fais des collaborations avec Malavoie, et qui est un groupe mythique de la Caraïbe. Et tant d'autres expériences encore, discographiques comme sur scène. Et au fait, mon yo dit, ah, j'aime bien même pas, j'entends d'où encore. Et le public haïtien, hein, que je remets, qui me respecte. Le public l'a plein en pile, il y a pas j'aime sur scène. Je ne dis pas, ouais, j'aime sur scène, mais au fait, est-ce que je cherchais, ouais, j'aime sur scène? Est-ce que le que, est-ce que, au fait, au retour, comme tu as remis, merci, c'est que ma racine, bon, quand tu dis ça, le, on dit ou pas, ouais, j'aime sur scène, est-ce que vous encouragez, si je me fais un concert, comme si concert, vous voulez dire que ce bon spectacle, au pas le public vient venir en foule vraiment, même s'il y a plein, il y a oui, bon yo, bon yo, parce que bon yo, au fait, bon, on va pas dire son petit forme d'hypocrisie. Si vous êtes honnête, ça veut dire que si vous suivez un artiste, si vous êtes un artiste, il faut qu'on suive lui et puis et suivre cet artiste en fait. Oui, suivre toute sa affaire, justement, avec Internet, justement. Bon. Oui, avec Internet, qu'on y a, pas rien menti. Ça veut dire que tout le monde a Internet. Je dis, on est obligé d'avoir Internet pour un petit peu de temps privé. Moi, je fais un gaffe là, mal, bah, non. Ou un petit transfert. Ça veut dire que on est obligé d'avoir Internet. Après, le monde, comme si du fait fond,
pour l'instant, obligé à Internet. Même l'Internet a servi pour justement, okay. sur le mot artiste, soit suivi. Bon, je dis qu'il y a plein de monde qui suit James Germain sur les réseaux sociaux, qui là dans le spectacle. Justement, qui est là dans le spectacle. Qui devine célébrer 50 ans. Oui, qui devine célébrer, même si pas nombreux. Pas nombreux. Parce que vous êtes honnête, parce que même pas avant, on m'a raconté que dans mon songe, je me disais qu'il y a des milliers de personnes. Et non. C'est pas l'honnêteté. Justement, on fait un métier souvent qui. Ou besoin positif, besoin. Et ou pas capable d'un mensonge avec ça. Moi-même, je choisis, et dans ça, ma fait. Dans la vie privée, ou bien dans whatever it is, je choisis que je parler de vie privée, combien d'enfants, combien de choses. Mais quand même, ça qui est important pour moi, c'est justement, et by public, là, on m'a rien qui a pour se voir avec tout cœur. Et avec tout cœur. Et souvent, moi-même, je m'éclaire dans ça, parce que ma défense, moi, qui est très important. Et surtout, on peuple haïtien, ils vraiment et son peuple de culture. Souvent, il n'y a pas forcément qu'on kiffe ce qu'ils forment, par exemple, l'artiste, par exemple, la créativité en Haïti. Et si on est quand même inspiré de ça, moi-même, souvent, je fais voyager dans un pays pour me connaître. Et pour chercher. Découvrir, pour apprendre justement. Plus. Et il y a d'autres monde qui font. Parce que, en fait, nous sommes peuple qui ont créativité. Mais souvent, dans la forme, comme tu as dit, souvent, l'homme, on lui dit, ah, bah, ouais, non, il me fait bon concert. Ça veut dire, sous besoin de chercher, ouais, on va fouiller pour chercher. Parce que tout ça me fait, en Haïti, à l'extérieur, il y a sur les réseaux sociaux. Mais et souvent, là, avec Internet, maintenant. Justement, et souvent, moi, toujours, je voulais passer dans des côtés. Que je connais que les gens sont capables de une possibilité pour ne pas payer le concert James Germain. Ah, pour okay. Et, il y a des prix abordables. Oui, que justement. Oui, même souvent, si tu es français, mes amis, on ne peut pas payer. Et Focal, on ne peut pas payer. Focal, il faut gagner un petit 4 ans. Mais souvent, opportunité, ça, pour moi, c'est important. Le mal étranger, je travaille en producteur. Ou même en Haïti, si un producteur fait un fonds concert, évidemment, il fait promotion, le public en vient, il paye, oui. Mais moi-même, je me fais jouer pour le monde qui n'a pas de possibilité. Parce que souvent. Pour les deux. Justement, pour les deux. Pour les deux. Donc, pour tout fait, public, là. Pour tout public. Le monde. Justement, moi-même, moi, je suis un artiste qui est pour tout public. Dans le sens tout public, ça veut dire que je veux tout mon apprécier la musique. Moi, c'est pas parce que. Justement. Vive, soit approprié. Et souvent, et toujours, on a des problèmes pour dire, ah, ou même on fait telle musique, ou pas musique commerciale, ou pas ceci, ou pas cela. Je crois que chaque musique est placée. Et c'est pour ça que je me dis tout à l'heure, et que moi-même, j'encourage toute forme de musique, j'encourage toute musique qui est positive, qui a un message positif, et qui vraiment touche tout le monde. Parce que la musique qu'on parle, fait le monde danser, moi-même, waouh, depuis qu'on compare à jouer, on a été, ah, mais danser, ah, mais je suis fan de danser. Pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine. Moi, moi, j'ai vécu en Afrique pendant 3 ans. Moi, je suis vraiment comment l'Africain lui-même embrasse la culture. Là, parce que nous-mêmes, malheureusement, il faut me toucher le problème, ça, c'est que nous avons un conflit, nous-mêmes. Un conflit de, ça veut dire au fait. Qui est-ce vous voulez nous dire que nous presque perdu identité, non? Nous, on t'a comme dit, oui, oui, nous perdu. Est-ce que nous t'es vraiment gagné? On est identité gagnée. Ah. Et c'est ça, parce que nous connaissons nous haïtiens, nous connaissons nous fait en Haïti. Mais nous pas vraiment contre culture, vous voulez dire? Justement, parce que nous par contre racine. Est-ce que je dis hein, et avec richesse que nous gagnons, est-ce que nous connaissons qui nous sorti la tradition haïtienne? Est-ce que nous connaissons que nous sorti et ils ont parti dans nous, comme tu as dit, parce qu'il y a une diversité en Haïti quand même. Hein? Et de, nous connaissons que ça qui sorti par un sorti en Afrique, et qui sorti peut-être un mélange indien qui était là avant africain arrivé. On est les ancêtres, ça qui est les ancêtres français, et tout ça. Justement, est-ce que nous cherchons ça qui est fondamental pour un être humain qu'on est? Pour être capable justement de recentrer dans la société côté la vivre là. Et je crois que nous avons un paquet de conflits parce que nous avons un paquet de bagarres qui voyaient nous souvent dans des conflits. Côté que moi-même par mail parce qu'on fait un bagarre qui est différent. Qui est différent. Et tout ça, c'est dommage parce que ça fait nous perdre un peu le temps pendant que l'autre n'a pas avancé. Et oui, ça me prend référence à l'Afrique parce que évidemment, je crois que l'Afrique a un grand rôle dans le Caraïbe blanc. Par rapport à l'histoire. Et je crois que ce qui est important, c'est
qu'on est qui est souillé. Moi pas mandé au monde africain, pas mandé à quoi que ce soit, mais moi mandé au justement accepter toute différence, accepter toute différence, accepter justement, apprendre tolérant. Justement. OK James, identité culturelle, tradition et vous parlez nous là de carrière, comment t'es commencé et où t'es l'église ensuite vous passez dans la musique traditionnelle. Et puis, en pile collaboration, ou apprendre à accepter l'autre tendance ou faire expérience dans l'autre tendance d'un coup, avec des DJ, etc., tout bagage ça. Mais quand il y a une carrière, ou, soit un bilan de carrière, ou, c'est sûr que tu as des hauts et des bas, tu as des moments difficiles, ou un pile sacrifice pendant toute l'année ça. Qui moment qui t'est pire? Qui t'a pris dans la carrière pendant t'as dit 30 années ça, qui moment où t'es vivre plus mal? Bon. Qui moment qui t'a marqué? Moment que je vis plus mal, c'est des moments où t'es que et perds du temps et par exemple avec dans production, par exemple moi fait et 2-3 albums malheureusement qui étaient mal distribués en Haïti et c'est des mélomanes qui découvrent. Il y a des gens qui ne connaissent pas si James Jam a un album. Et pour qui ça? Parce que le producteur était vraiment fermé. Et je ne suis pas ouvert, pas vraiment fait travail pour te le faire. Mais je dis, au fait, il y a une positivité. Je viens d'apprendre une positivité. Je dis que c'est passé derrière moi, qu'il y a un moment présent qui s'est fait. Et c'est toujours. Opportunité, c'est juste chance que j'ai gagné en connexion avec le public. Moi, je ne dis pas que dit que tu as eu des moments difficiles avant, mais sur la route qu'on y a, qui passe à travers tout ça. Justement, je suis monté. On continue à avancer. On continue à avancer. Et puis, dans l'échange, dans la collaboration, et avec des gens que je remets, et des gens que je rencontre sur le chemin. Moi, et ça, je crois que c'est ça qui est extraordinaire. Parce que souvent, le passé mène au capable aigri, au capable frustré. Et moi-même, j'ai ça derrière. Parce que justement, parce que oui. Et depuis que moi, j'ai l'énergie, que je suis capable de chanter, voilà, toujours, eh bien, je n'ai pas avancé, je n'ai pas allé vers d'autres directions, vers d'autres horizons. Et avancer, et surtout, travailler. Et surtout, on ne va pas retomber encore. Non, on ne va pas retomber. Ah non. Et surtout, ça me t'a dit... Ou apprendre de mauvaises expériences. Justement. Et ça me t'a dit, et c'est important que l'on monde a instruit et tout. Et dans l'instruction, et souvent, on n'est pas capable de prendre tout, mais on prend ça qui vraiment... c'est capitile. Et moi-même, c'est un monde... à 51 ans, en fait, je fais carré pour apprendre toujours. Moi, quand je suis un petit monde petit, et moi, pour une première maturité, mais en même temps, j'ai toujours été petit, jeune, qui était petit, qui a grandi, et qui a besoin de grandir encore. Parce qu'en fait, ça qui est arrivé, c'est que lorsque vous mettez les oreilles à l'écoute, et puis vous mettez le corps à disposition, bien, on peut aller plein de l'autre côté. Et même c'est ça que je suis mes parents. Et puis en même temps, pas oublier que grande génération qui a besoin d'exemples, qui a besoin des mondes qui ont croient là-dedans. Et souvent, et en plus, les jeunes contactent moi sur les réseaux sociaux, puis on m'a demandé des conseils, on m'a demandé encadrement. Okay. Voilà. Et pour ces rôles, moi, et en tant que justement aîné. Oui, voilà. Oui, en tant qu'aîné, justement, de la musique, ou font pile chemin, ou vivent pile bagaille, ça veut dire que là où son patrimoine, que ou qu'a aidé un pile l'autre jeune, suivre le chemin ça, dit ou qu'a conseillé comment pour avancer, comment pour progresser, comment pour aller vers le succès. Mais là, quelle lecture même vous faites de musique traditionnelle, de musique racine et en 2019, là, dans la période ça? Comment vous voyez la musique là? Bon, en 2019, comme tu as dit, il y a un pile progrès qu'a fait. Il y a un pile progrès qu'a fait, il y a un pile monde qui vient comprendre la valeur
Et là, on a parlé de musique traditionnelle, il y a une fête différence. Non? Parce que souvent, l'homme, on a dit musique racine, musique traditionnelle, il est associé avec vaudou. Mm-hmm. Et, ça n'a rien à voir. Ça fait assez souvent. Justement. Traditionnel. Est-ce que c'est pas pour le rythme ou quoi? Oui, mais au niveau. Même son parole. Au niveau culturel, c'est le tambour. Le tambour, on a parlé de tambour. Mais sans tambour, pas rien vie. Et parce que tambour, regardez. Dans tout barrage, j'ai un tambour. En dans l'église protestante, j'ai un tambour. En dans l'église catholique, j'ai un tambour. La caïnou, surtout. La caïnou. Et moi, je songeais. Moi, on m'a bien dit, on m'a grandi. Et je songeais, je me suis et j'ai gagné l'église protestante, pratiquement à 2 mètres de la caïnou. Et puis j'ai gagné l'église qui était à peut-être 300 mètres, l'église catholique, et Saint-Antoine. Et puis j'ai gagné un tambour d'eau qui était peut-être. À Saint-Antoine, c'est tout près. Oui, qui était vraiment. Pas loin, j'étais entre 3 barassayos. L'église a commencé le finir à 9h du soir. Le dimanche, j'étais à l'église. Toujours bien musique. Toujours bien ambiance. Le mal l'école, le dimanche avec l'église. Le mal l'église avec l'école, vrai, automatiquement, messe. Et puis, le soir, le m'a dormi, je suis content d'être en bouillot, sans tambouillot. Alors, son mari qui toujours était là. La musique là, toujours là, oui, à berce ses oreilles. À berce ses oreilles. Et je crois que. Ça, c'est ce qui est important. Et pour me reprendre, ça qui est très important, que ça, on va comprendre. Je ne vais pas aller rentrer dans nos polémiques de religion ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est notre discours. Et il y a des mondes qui sont spécialisés pour ça. Mm-hmm. Mais ça, me dit, c'est qu'au fait, embrasser une culture, ce n'est pas forcément. Et on est capable d'utiliser un tambour pétro, un tambour. On va utiliser un rythme, un valou, pétro, et on a écrit un texte qui vraiment son rythme traditionnel, on va inspirer de mélodie et tout ça qui est vraiment qui comme tu as dit, qui est capable d'évoluer parce qu'en mélodie aujourd'hui, comment on a pour connaître une mélodie haïtienne qui est sortie sur le plus souvent, c'est les chants traditionnels. Exister dans des contextes que nous-mêmes peut-être nous pas connaît parce que souvent ça quand nous vivons dans des langages côté fond ou minant et tout ça de tradition et qu'on y a nous-mêmes nous capables d'inspirer nous de tout ça et alors c'est un peu dommage parce que souvent il y a des monde qui disent ah sur musique quoi faire chose et tout ça la musique quoi faire c'est dans le c'est le voodoo bien ou dans le monde ou tout ça on est dans le monde bon on est dans le monde on est dans le monde. Vous avez raison, on est dans le monde. On est tous dans le monde. On est tous dans le monde, mais maintenant, c'est son attitude, son comportement. Et quel message on fait faire passer? Parce que bon, son mode d'aujourd'hui, de vie également. Voilà, son mode de vie. Mmh. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les valeurs pour avancer? Les véritables valeurs. Voilà. C'est ce qui est vraiment important. Et justement, est-ce qu'on peut, choisir de vraiment embrasser la positivité côté que ou capable de choisir vraiment dans mon de vie ou on pas capable imposer on sait le bagarre avec des monde on capable rester là quand même manger plein ventre moi me faire sembler mais l'homme non espace côté que moi avec tout le monde qui ça que moi partager avec eux et qui ça me transmettre yo pour moi c'est ça qui sont gain comme valeur non justement parce que souvent justement souvent nous avons tendance à mélanger bagarre et des fois ça fait mal, comme si le moi, par exemple, il y a un monde ignorant. Par exemple, un bon exemple pour moi, quand on est dans la rue, on me dit « Oh, regarde, on est blanc !» Automatiquement, on me dit « Waouh, son ignorance, mais qui, en même temps… » Je ne considère pas qu'on me moquerie. Moi, je considère qu'on me moquerie en ignorance. Parce que ça, quand on arrive, je me dis « ignorance, on me raille. » Je me dis « comme si on me raille que m'étonner. » Mais pour moi, me pardonner, Mounsa qui, par exemple, me dit, oh, Ganon Blanco. Et pour moi, mais Ganon Albinos. L'homme était petit, ça t'a quand même choqué, mais il me dit, mais qu'on y a, je passe au-delà de ça, parce que le peuple noir besoin d'éduquer. À n'importe quel âge, on a recevoir l'éducation, je ne suis pas capable de peur, honte, si je ne peux pas recevoir l'enseignement. Et je crois que c'est ça qui est important pour nous, capables de grandir et pour pays d'Haïti. Enfin, et génération qui a venir avec des données plus claires, plus justes pour l'avenir, pour la construction
d'Haïti, parce qu'on a parlé de construction haïtienne, et je crois que culture sont un part qui est très important. Sans culture, pas un pays. Et c'est important. Et pour moi, il y a un travail qui peut faire. Et je crois que Walpam, c'est pas tout le temps critiqué, c'est pas tout le temps. C'est mettre la main à justement, la pâte. Mettre la main à la pâte, ouais, qui ça qu'a fait. Comme je dis, justement, côté je dis, côté me au service de n'importe qui monde qui m'a dit, pas une question James ou non registre, un tel ou non registre, mais qui ça qu'a fait et qui bon nous cabaler et tout ça. Ok, James, après 51 ans maintenant. Ou sont célébrés en grande pompe. On se trouve pour 51 ans ça. Et qui ambition, qui projet, qui plus proche après célébration ça. Bon, projet. Avant de dire le mot de la fin. Projet qui plus proche, c'est justement et album d'un qui fait un bon petit moment. On va annoncer l'album ça qui par exemple clé qui va me sortir. Et moi que et souhait pas pour 2020. Enfin que l'album s'est sorti okay. Et c'est plus gros projet plus proche et puis bon il y a un pile voyage comme d'habitude et puis à l'extérieur mais souhait pas que nous t'arrêmes quand même au pays d'Haïti que nous rêvons en salle de spectacle digne de ce nom. Même si digne de ce nom, parce que vous faites en Haïti. Qui a recevoir vraiment au grand public. En grand public, et puis qui a pour un bel bagage, qui vraiment pour nous fier qu'en Haïti, et il a parlé tout le temps de pauvreté, pauvreté, mais pauvreté, c'est dans la tête, nous, c'est dans. Nous capables. Et je ne pas faire politique, parce que je ne suis pas politicien, mais je quitte le bouillon. Mais je crois que nous capables, chaque monde a une responsabilité. Pour parler devant porte, yo. Même si parler devant porte, dans le sens que chaque. Oui. Ça a capoté. Chaque monde a pour pays qui a avancé. Participer de façon justement. Parle, de façon capable. Parce que souvent, le changement qui doit être fait. Justement, souvent, nous ne parlons de est-ce que nous aimons le pays, nous. C'est dans l'acte, nous, où nous voyons si nous aimons le pays, nous. Bon, ça, c'est important. Aussi petit que le cas, parce que chaque monde, j'en dis, a posé un acte qui contribue avec un changement réel. En tout cas, James, merci un pile pour chita parler ça. C'est un plaisir pour nous de pas l'avoir. On tire une conversation bien intéressante, une émission assez intéressante. Et en dernier mot, et avant dernier mot, dis-nous qui prochain spectacle James Germain en Haïti, qui prochaine affiche là, qui bon la fête, si toutefois bon date déjà. Bon, et, pour le moment. Et le mot de la fin pour tout téléspectateur, tout le monde qui t'a regardé l'émission ça, live sur Facebook ou bien. En différé sur YouTube. Bon, projet qui est le plus proche, moi j'ai une prestation normalement et prochain spectacle, moi c'est dans Foubar et le 26 avec d'autres artistes et que mon propre cabaret non, parce qu'il faut que nous on a préparé et mais le public a une opportunité pour venir en spectacle du James Germain fin septembre. Et je crois que j'ai bien nouvelle de spectacle ça. Et puis, l'autre prochaine date que j'ai eu en Haïti, le plus souvent c'est des bagages privés et tout ça. Mais j'ai rendez-vous. Alors ça, je dis déjà, moi annoncé, moi dans la programmation 2020 de Pap Jazz, qui est extraordinaire pour moi. Et un événement comme ça en Haïti, que je fais partie de lui. J'ai fait gain des années, 95, en 2015, je crois, je me suis. Et là, j'ai eu l'opportunité, là, en 2020, pour moi, et fait pas de jazz. Et puis l'autre projet, par exemple, Martinique, qui est un bel projet tout, sur Haïti, et à Paris, et tout ça pour 2020. Et en plus, je suis venu, je suis très content et très fier, côté que je suis capable justement. Il y a un exemple pour tant d'autres qui n'ont pas une opportunité. Ça. Au fait, rêve-moi, c'est à Rémi Web, porter justement la musique haïtienne et pour ouverture, plein d'autres artistes qui sont dans le domaine ça, justement, il y a une opportunité pour être capable justement de suivre le chemin. Ça. Parce que ça que tu es dans mon rêve, ça que tu es mené là, pour le caméner en pile le monde. Mais, seul va me dire qu'il y a un pile travail derrière ça, il y a un pile attente, pile patience et puis maturité qui vient d'acquérir pour nous arriver, je dis, à parler comme ça. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission. Ça, c'était un plaisir pour me porter pour la carrière aujourd'hui à nos pâmes. C'est Belkis Gaspard.
Avec nous, Kayla, sur Ticket Magazine, jeudi, tu as James Germain, côté nous, tu as fait un bel chita parler sur musique traditionnelle, musique racine et carrière, James Germain. Bye bye, merci à tout le monde qui te prend le temps, qui toujours suit Ticket Magazine. Merci à Abdo et Gardi, équipe technique, nous, et bye bye à la prochaine pour l'autre émission Ticket Magazine.